Donc, je dois faire une interprétation. Je dois faire une interprétation, l'interprétation des résultats. Je regroupe tout ce que j'ai comme résultat bactériologique et j'essaie de voir quels sont par rapport, donc quelles sont les coïncidences, donc les orientations par rapport à la clinique. D'accord? Donc, l'histoire clinique du patient doit correspondre au résultat bactériologique. C'est clair? Donc, malade, l'histoire clinique, le contexte épidémiologique, le type de prélèvement, ono, bactérien, je dois faire une lecture interprétative. D'accord? Une lecture interprétative. Le diagnostic, par contre, il y a un diagnostic de certitude pour certains types de germes. Donc, si j'isole Mycobacterium tuberculosis, c'est égal à la tuberculose. D'accord? Dans certains cas, le diagnostic, le germe lui-même pose le diagnostic de certitude. J'ai un méningocoque, méningite, dans un ACR. Un Mycobacterium tuberculosis dans un prélèvement, donc dans un crachat, c'est égal à la tuberculose. Salmonella typhi dans les selles, c'est une fièvre typhoïde. D'accord. Donc, vous avez une lecture interprétative, mais dans certaines situations, vous avez une certitude diagnostique qui peut être apportée. Vous êtes là? Oui, monsieur, mais il n'y a pas un partage d'écran. Vous avez l'image? Oui, monsieur. Voilà, on reprend. Oui. Donc, on est arrivé Oui, à monsieur. l'interprétation. Donc, on sait qu'en matière de diagnostic, il faudra faire une lecture interprétative. Le biologiste, le médecin biologiste au niveau du laboratoire, lui aussi, il a le droit, donc, de faire, il doit, mais il a le droit, il doit faire une lecture interprétative. Il n'est pas ici pour uniquement. Pour exécuter, oui, il va exécuter des tests biologiques au niveau du laboratoire, mais il doit apporter des orientations au clinicien qui est en face du malade. On continue. Donc, le diagnostic rapide, après la culture, la mise en évidence donc, de la culture, on a aussi le droit, on peut faire un diagnostic rapide par recherche d'antigène. Et là, la recherche d'antigène, c'est un test rapide de quelques minutes à quelques heures. Il permet un diagnostic de certitude ou quasi de certitude, parce que c'est des tests qui restent aussi spécifiques, notamment les méningites, les sepsis graves. On peut rechercher la présence de certains antigènes, ce qu'on appelle les antigènes solubles ou extractibles, par différentes techniques. D'accord. Donc, diagnostic rapide par la recherche d'antigènes et on a les techniques qui sont utilisées, donc les techniques ELISA, qui sont souvent utilisées, l'agglutination ou l'immunocapture.
Enfin, on arrive à la biologie moléculaire. La biologie moléculaire, c'est quoi? Le principe, c'est quoi? C'est essayer de détecter dans un prélèvement la mise en évidence du marqueur moléculaire. Le marqueur moléculaire, c'est quoi? Faire l'extraction de l'ADN, puisqu'on sait qu'une bactérie, elle est, donc c'est l'ADN. On va amplifier la cible, qui est l'ADN, et puis on va révéler la présence ou pas de cette amplification. D'accord? Donc, c'est quoi? Dans un prélèvement, c'est quoi? On va aller sur un prélèvement, extraire son ADN. Donc, un prélèvement, s'il contient des bactéries, on va retrouver de l'ADN. Cet ADN, on va l'amplifier, l'amplification, c'est-à-dire on va le multiplier. Donc, amplification, c'est multiplier, amplifier quelque chose, c'est la dupliquer sur le plan, donc dupliquer au niveau du laboratoire pour qu'on puisse trouver, la révéler à la fin. D'accord, c'est ça l'amplification. Question, pour les bactéries à risque biologique, on fait toutes les étapes. Bien sûr, les bactéries à risque biologique, on ne va pas les manipuler de la même façon. On ne manipule pas les prélèvements, il y a des précautions particulières par rapport au laboratoire lui-même. Parce qu'il y a des bactéries et urine, on peut la manipuler dans un laboratoire de microbiologie simple, d'un hôpital. Mais, par exemple, le coronavirus, qui est un virus, on ne peut pas le manipuler dans les mêmes conditions. Il nous faut une autre, un laboratoire de sécurité un peu plus élevé, d'accord, avec des moyens de plus de sécurité. C'est clair. Donc, les germes à risque biologique, leur manipulation ne se fait pas dans les mêmes conditions et on ne va pas utiliser les mêmes étapes. D'accord. Bon, les étapes de diagnostic, elles restent les mêmes, mais le laboratoire, le type de laboratoire de sécurité, les moyens de sécurité, tout ça, l'utilisation obligatoire de hôtes, de PSM, ce qu'on appelle les postes de sécurité microbiologique, ça, on doit les adapter pour les germes à risque biologique. L'amplification, on avait dit, l'amplification, c'est dupliquer quelque chose, amplifier, agrandir pour pouvoir détecter. Donc, la biologie moléculaire, elle va servir à quoi? Elle va nous servir à faire quoi? Détecter les bactéries. Parce que je vais détecter l'ADN, je vais dire l'ADN, il est spécifique. C'est une empreinte spécifique pour chaque germe. Donc, pour chaque germe, si il est spécifique, je vais détecter la bactérie. Je vais l'identifier également. Et ça me permet de faire quoi? L'étude des gènes de résistance. Je vais détecter des gènes de résistance qui sont spécifiques. Donc, la biologie moléculaire, dans ces domaines d'application, ils sont variés. Je peux aller de la simple identification, l'étude du profil, le séquencer, jusqu'à l'étude de la résistance. C'est clair? Deuxième partie du cours, la deuxième partie, c'est le diagnostic indirect. Le diagnostic indirect, ce qu'on appelle les sérodiagnostics, souvent c'est les sérodiagnostics, déjà le nom indique sérodiagnostic. Je fais quoi? Recherche des anticorps. Les anticorps, c'est quoi? Circulant. Ils sont synthétisés en réponse à la multiplication bactérienne. C'est-à-dire, je suis envahi, l'organisme humain est envahi par des germes, je vais produire en réponse immunitaire à cette agression des anticorps spécifiques. D'accord? Ces anticorps spécifiques. Ces anticorps spécifiques, sérodiagnostic, donc le prélèvement, c'est quoi? Je vais faire un prélèvement sanguin. D'accord? Je vais faire un prélèvement à la seringue au niveau du pli du coude, souvent. On va faire un prélèvement. L'idéal, c'est de faire deux sérums. Un sérum précoce et un sérum tardif. Le sérum précoce, il est fait quand? À la consultation du patient. Quand un patient se présente en consultation, je suspecte un type d'infection. Je peux faire un diagnostic sérologique. Par exemple, on va donner l'exemple de la syphilis. Syphilis, c'est une infection, c'est une IST, infection sexuellement transmissible. Elle est due à une bactérie qui s'appelle Treponema pallidum. D'accord? Cette bactérie, en matière de diagnostic, il est difficilement, pour ne pas dire impossible, de l'identifier de façon directe. On a recours à un diagnostic indirect. On a recours au diagnostic indirect. Oui, à la question, est-ce que l'isolement des bactéries en culture est indispensable? C'est important. C'est lui qui peut apporter la certitude diagnostique
Et de plus, il vous permet de réaliser. C'est la seule façon de faire l'antibiogramme. D'accord? Vous allez me dire, le sérodiagnostic, c'est facile. Oui, le sérodiagnostic, mais pas toutes les bactéries. On ne peut pas faire le diagnostic sérologique pour toutes les bactéries. D'accord? Donc, quand on a le choix, c'est toujours le diagnostic direct parce qu'il apporte la certitude. Je trouve le germe en lui-même et je fais l'étude de la sensibilité. D'accord? Donc, je reprends deux sérums, ouais, précoce et un tardif, à la consultation et le deuxième, quelques jours, donc 2 à 3 semaines après. Pourquoi je dois faire deux sérums? C'est pour détecter ce qu'on appelle la montée en anticorps. C'est-à-dire, oui, c'est important aussi, quand on a par exemple des infections sexuellement transmissibles, pour le traitement, il est important de savoir le partenaire, le statut du partenaire, parce que quand on traite une personne, le deuxième partenaire aussi, sinon il y a risque de réinfection. D'accord, à cette question, on fait également, pour connaître le statut sérologique du partenaire, ça nous permet de voir est-ce qu'il est positif ou il n'est pas positif, pour pouvoir les traiter ensemble. Donc, les deux sérums précoces et tardifs, montée des anticorps, c'est-à-dire la montée des anticorps, si le patient était négatif au premier sérum, il devient positif, ça c'est le témoin d'une infection. C'est clair. Donc, moi je fais deux sérums, l'un à la consultation, le deuxième sérum 15 jours après, le premier sérum c'était négatif, il n'y a pas d'anticorps. Le deuxième sérum, il est positif, ce qu'on appelle la séroconversion, négatif à positif. Ça, c'est le témoin d'une infection existant. D'accord. La deuxième aussi condition, par exemple, si je fais un sérum, le premier sérum, il est fait un peu tardivement. Je l'ai fait, le patient est venu quand la consultation en retard, j'ai fait le sérum, il est positif. Le deuxième sérum, c'est de voir est-ce que le titre des anticorps, il augmente de façon significative, c'est-à-dire qu'il va être multiplié fois 3, fois 4, la norme, le premier sérum. Ça, c'est une élévation significative du titre en anticorps. C'est clair. Donc, je fais un sérum précoce et un sérum tardif. Le diagnostic sérologique, c'est la détection des anticorps. C'est le patient, donc l'hôte, qui synthétise des anticorps en réponse à une agression microbienne. Donc, sérum précoce à la consultation. Dès que le patient consulte, je peux faire le diagnostic sérologique, je fais un prélèvement sérologique. 15 jours plus tard, 2 semaines, 3 semaines plus tard, je fais un deuxième sérum. Négatif, il devient positif. Si tu sers aux conversions, ça me permet un diagnostic de certitude. Positif, faiblement, il devient positif fortement. C'est une élévation significative du type en anticorps. D'accord. Donc, voilà les conditions d'un diagnostic. Vous êtes toujours là, Marie. Vous arrivez à suivre. Oui. L'hypersensibilité. L'hypersensibilité, donc les tests d'hypersensibilité. Les tests d'hypersensibilité, c'est ce que vous avez parlé tout à l'heure, par exemple, l'IDR à la tuberculine. Je dois voir, je fais une injection, vous voyez donc, une injection, l'IDR à la tuberculine, je fais une injection intradermique et ça va entraîner l'apparition d'un érythème. Je vais calculer avec une règle après 72 heures. Et je vais faire une interprétation, l'apparition de ce nodule au point d'inoculation. La lecture se fait 72 heures. D'accord? Donc, vous avez une étape, une première étape de diagnostic direct et une deuxième étape de diagnostic indirect qu'on peut pratiquer en fonction. Bien sûr, si l'impossibilité de faire le diagnostic direct, on a recours au diagnostic indirect. En conclusion, on sait que la qualité du prélèvement, elle est importante. Elle conditionne la qualité du résultat bactériologique. Un bon prélèvement, dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions, acheminé rapidement, une fiche de renseignement permet aux médecins biologistes de faire une interprétation et une analyse correcte. Ça veut dire qu'il va vous apporter la certitude diagnostique, vous êtes à l'aise. D'accord. On peut faire un diagnostic direct. L'idéal, c'est de faire un diagnostic direct, mise en culture, je fais l'analyse, je mets en évidence la bactérie par des techniques de culture et je fais l'antibiogramme. C'est important parce que le traitement antibiotique, c'est lui qui est adapté pour la prise en charge des infections. Au laboratoire, je dois faire une interprétation et une validation des résultats.
D'accord. Le biologiste ne doit pas se contenter de techniquer et de laisser le clinicien avec le prélèvement. Je dois lui apporter une certitude. Et bien sûr, le rôle d'un laboratoire, c'est quoi? C'est de faire vite et bien. Ce qu'on attend d'un laboratoire, d'un médecin biologiste qui fait de la microbiologie, le médecin microbiologiste, c'est de donner rapidement les résultats et des résultats qui sont cohérents. D'accord? Faire vite et bien. C'est ce qui est demandé à un laboratoire. Et là, l'importance et l'intérêt de la coopération entre le clinicien qui est en face du patient et le biologiste, le médecin biologiste qui est en face de son prélèvement au laboratoire. Il doit y avoir une coordination, une coopération de telle façon à faciliter l'activité de l'analyse microbiologique pour faciliter la prise en charge clinique du patient et la prise en charge thérapeutique du patient. Des questions? Pour les questions marqueurs biologiques, ce n'est pas dans le diagnostic direct, c'est le diagnostic indirect. C'est ce qu'on appelle les anticorps. On parle des anticorps. La PCR, d'accord. Donc, c'est les anticorps, la détection par sérologie. Mais le diagnostic direct, c'est le germe. Mise en culture, microscope, aspect macroscopique du prélèvement, les examens microscopiques, la mise en culture, détection des antigènes. Détection par PCR. La PCR, c'est quoi? C'est la polymérase, c'est une enzyme, chaîne, réaction. C'est la polymérase en chaîne en réaction. Il y a ce qu'on appelle la PCR, c'est pour détecter de l'ADN bactérien dans un prélèvement. On va reprogrammer. Pour hier, on va essayer de reprogrammer. D'accord? Donc, le cours d'hier, il y avait un problème technique. On va essayer de reprogrammer pour demain ou après-demain rapidement. Fenêtre thérapeutique, elle revient. La question fenêtre thérapeutique, c'est quoi? C'est faire un arrêt de traitement. Mon patient est sous traitement. Par exemple, il a pris des traitements antibiotiques en ambulatoire. Il vient, je suspecte une méningite. Bon, bien sûr, une fenêtre thérapeutique, ça correspond à quoi? J'arrête l'antibiotique. 2 à 3 jours, 48 à 72 heures. Pourquoi? Pour éliminer les antibiotiques. Quand il y a des germes, ils vont se remettre à se multiplier. Et quand ils vont se multiplier, je peux les avoir dans les prélèvements. D'accord? C'est ça une fenêtre thérapeutique.